numéro 3, Bugs Boom, un fils de Cadoudal. Alors Cadoudal, c'est le mot magique pour l'obstacle. Cadoudal, qui a été si influent pour tout l'élevage d'obstacles français dans les années 90 et 2000, et qui n'a pas beaucoup de fils étalons. Il y a Saint-Dessin, vous connaissez tous, Marescar Sorrento, vous connaissez tous également, deux étalons plus que confirmés, et un jeune, Bugs Boom. Alors plusieurs choses à dire sur Bugs Boom, Cadoudal on en a parlé, et je précise aussi que Cadoudal est le père de mère de Cap Garde, et de son frère bien sûr Caprock, qu'on verra tout à l'heure. Bugs Boom est le frère d'un crack, pas seulement d'un champion, mais d'un crack, Big Bugs, crack en Angleterre, sur les haies, sur le steeple également, puisqu'il a gagné en steeple, mais c'est surtout sur les haies qu'il a aligné les victoires dans les plus grandes épreuves de Cheltenham. Et ce magnifique cheval, Bugs Boom, n'est pas qu'un fils de, n'est pas qu'un frère de, puisque Bugs Boom a été un excellent compétiteur à Auteuil. À l'âge de 3 ans, il a gagné à Auteuil, un prix de série relevé. Il battait à ce moment-là Coquidal et Nick Torrivot, qui a poursuivi une bonne carrière ensuite en Angleterre, Nick Torrivot, et il a été deuxième du prix Cambacérès. La plus grande course pour les 3 ans en France, le prix Cambacérès sur les haies, un groupe 1 en fin de saison. Et il était battu par qui? Par un champion, lui aussi, Long Run. Dans cette génération extrêmement riche qui comptait Long Run, justement, également Ruby Ball, c'était la même génération. Et donc ce Big Bucks, qui a non seulement l'intérêt d'être un fils de Cadoudal issu d'une grande origine d'obstacles, mais qui a lui-même prouvé son talent sur les haies d'Auteuil. Bugs Boom est un jeune étalon qui va attaquer sa troisième saison de monte. Il nous est présenté ici en main par Estève Rouge-Varcher du Haras Denki dans la ligne.